la malédiction de Canaan et la bénédiction de Lévi. Qui ça signifie pour nous? Dans la Bible, nous joignons en pile histoire avec information qui vraiment surprend nous. Pourtant, en pile dans l'histoire, ça a révélé nous en pile vérité et connaissance que nous pas ka gagné sans yo. Parfois, moi stopper tout ça m'a fait pour me mettre à genoux, pour me louer cet esprit, pour en pile bagaille que nous découvrons dans l'Ancien Testament qui vraiment exagéré ou bien incompréhensible. Dans le livre Genèse chapitre 9, nous lions incident qui passait avec Noé qui boit alcool, li sou et puis li couché toutouni. L'abdomi. Cam, deuxième petite Noé sauté sous papa qui couchait toutouni. Au lieu par respect pour papa, li détourné tête li et couvri papa, li plutôt à raconter ça à l'autre deux frères li. Parole a expliqué que l'autre deux frères par respect pour papa yo marché par bac yo couvri papa. Mais les Noé réveillé li apprendre ça qui passait. OK, li apprendre qui Jean Cam te réagi, li décider prononcer une malédiction. Mais ça qui étonnant, au lieu li maudit Cam qui commet action, li plutôt maudit Canaan, peut-être quatrième petite Cam. Comment ça fait arriver? Qui signification un bagage comme ça? Yo descendant sibi punition action ancêtre li. Papa a péché et puis c'est petite ak petite li qui paye prière et qui sibi conséquence là. Yo l'autre image encore de petite en petite qui pote connaissance action ou bien conséquence action parent yo, c'est Genèse 14 verset 18 à 20 qui répétait dans Hébreux chapitre 7. Abraham a fait la guerre avec quelques rois qui te prend captif Neville qui c'est l'eau nous toute con histoire. Là la retourné victorieux dans guerre, il rencontré avec Melchisédek, il a genou devant et remettre la dîme de toute sa li gagné et puis Melchisédek bénil. Dans livre Hébreux apôtre Paul confirmé que bénédiction Melchisédek by Abraham non c'est sous Lévi qui c'est petit Abraham bénédiction à aller. Il fait connait que Lévi te mettait à genoux devant Melchisédek même si c'est juste dans troisième génération après Abraham Lévi après le fait. Apôtre Paul dit lui payer Melchisédek la dîme et lui recevoir bénédiction Melchisédek te bail Abraham non. Des histoires ça terrible en pile. Yo montre deux grandes vérités bibliques. Premièrement, action péché a conséquence action péché yo parent répand sous toute lignée famille de petite en petite. Deuxièmement, bon action ak bénédiction yo parent répand tout sous toute lignée famille de petite en petite. Deux histoires ça ont juste confirmé réalité qui existait entre Adam et Jésus-Christ. Adam qui c'est premier parent nous désobéit bon Dieu, coûté voix Satan et puis il condamné à mort vendre à péché. Toute l'humanité était dans rien Adam, les Adam t'a désobéi. Ça veut dire condamnation Adam répand sur toute l'humanité. Deuxième catégorie, Jésus-Christ est sacrifié tête pour péché l'homme. Tout le monde qui croit yo tenant rien Christ là, l'elle t'a fait ça. L'elle t'a sacrifié. Yo déjà payé prix condamnation. Kounye a délivré. Béni et gen la vie éternelle dans Christ là. Bon nous expliquer ça plus bien. Pour nous mettre en réalité ça plus clair, on va aller encore dans le livre Hébreux dans chapitre 7 là. Pour te prouver que ça c'est Melchisédek là, t'es plus grand
que par Lévia. Apôtre Paul évoqué et ça qui t'est passé dans Genèse chapitre 9 là entre Melchisédek et Abraham. Lui montrer comment Abraham offrit la dîme à Melchisédek et recevoir une bénédiction dans même Melchisédek. Apôtre Paul conclut que dîme Abraham t'est bail Melchisédek là, c'était Lévi qui t'est bail. Et bénédiction qu'elle te recevoir, c'était Lévi qui te recevoir. Comment ça? Les réponses, c'est parce que Lévi qui porte qu'au fait, mais il était dans raison cette li Abraham, les Melchisédek qui rencontré là. Tandis, nous connaissons déjà Abraham, c'est papa Isaac, Isaac c'est papa Jacob, et Lévi c'est petit Jacob. Ça veut dire Lévi t'es petit, petit Abraham. Parole bon Dieu expliquer les Abraham offrit dîme à Melchisédek et que lui recevra bénédiction Lévi pot ko fait ni papa ni grand-papa Isaac pot ko fait. Pourtant la Bible d'accord et considérer que dîme Abraham ak bénédiction te recevoir aller sous compte ak bénéfice Lévi. C'est dans même sens là la Bible considérer que péché Canaan aller sous compte à responsabilité Canaan qui subit malédiction. Deux bagages ça yo malédiction Canaan et bénédiction Lévia qui permettent nous comprendre pour qui ça péché Adam considéré comme péché les hommes en général et pour qui ça jugement Christ là jugement Christ te subit sous la croix li aller dans bénéfice tout monde qui croit. N'après dit encore, c'est très simple pour comprendre kounye. Dans moment les Adam t'a péché, les hommes t'est présent dans rien. C'est même gens tout dans Christ, yo juge tout monde que bon Dieu relé pour génération ou nouvelle naissance là, t'est présent dans rien Christ tout. Jugement ça, il t'est subi, il considéré comme jugement tout monde ça. Et tout monde qui croit dans Christ là a sauvé de toute condamnation et jugement. Puisque l'humanité doit juger, petit bon Dieu, Jésus-Christ étant comme, étant que yon l'homme, te souffri sous la croix pour péché monde là, ni dans l'esprit, ni dans l'âme, ni dans le corps. Quand y a tout le monde qui croit dans lui, recevoir délivrance. Ni dans l'esprit, ni dans l'âme, ni dans le corps. Yo pa gen pour juger encore parce que juger déjà avec Christ là sous la croix yo té nan re Christ là. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Kou ni a question pour est-ce qu'on vraiment croit dans Christ là? Est-ce qu'on régénéré? Est-ce qu'on c'est un monde nouveau? Est-ce que vous té nan re Christ là nan la mort li? Est-ce qu'on té nan re nan tombeau? Ak nan résurrection. Si ou ka répond oui avec question ça, ça veut dire ou gen la vie éternelle et personne pa ka changer ça.